commencer à chercher les pièces par là. Je dirais que je suis au bon endroit. Il y a beaucoup de carapaces là. Une baliste Quen. Ça semble fonctionner. Ça pourrait endommager ces carapaces. Régulateur de ballast. Tunnel d'hydrant. Elle a peut-être été suivie. Zénith ne l'a pas loupé celle-ci. Pas de pièce ici. Je dois fouiller cette aile d'hydrant. C'est tout ce dont Beta a besoin. Maintenant, je dois dépasser ces carapaces.
transformerait ces carapateurs en porte-ferraille. Beta, j'ai les pièces. Je t'envoie les données. Bien sûr. C'est fait. Je t'envoie la mise à jour. Applique-la au module de piratage de ta lance. Ça devrait marcher sur toutes les ailes d'hydro. Merci. Quand tu veux. Bonne chance dehors. Faut trouver un établi. Appliquer la mise à jour. Vous me voyez pas. Là. Seika. T'as trouvé une aile d'hydro? J'ai repéré un troupeau à l'extrémité sud de la fin de la flotte. Je suis en train d'y aller. C'est le moment de se ravitailler. Une fois sur place, il faudra partir tout de suite. D'accord, on se voit là-bas. Avec un peu de chance, on arrivera à rattraper Landra. Pour comprendre ce qu'il fait aux autres Quen. Et l'arrêter avant qu'il puisse activer sa fusée radioactive. Quelque part dans le coin. Aloy, tu es là. Les ailes d'hydro sont sur la plage. Dès que tu auras réussi à en contrôler une, on verra si notre plan fonctionne.
Alors, prête à emmener cette machine au parc de l'Ombra? Oui, mais avant... Un ami m'a aidé à fabriquer ça. Ça t'évitera de te noyer. Mais... Et toi, alors? Ça va aller. D'accord. On va tenter. Nos plongeons pour éviter les tirs. Tant plus que ça marche. Alors, attention. L'eau n'est pas assez profonde. Attention. Faut plonger. Ça va? Sans ce masque... J'étais inquiète pour toi. Je vais bien. Merci. On y est. Allez, trouvons Londra et mettons fin à tout ça. Aloy, garde droit devant. Tu as vu Walter aujourd'hui? Non. Il est enfermé dans le volcan depuis l'arrivée des derniers. Mettons-nous en route, ce gros volcan. On y trouvera peut-être aussi Kina. Oh, oh, je vais devoir... Encore une de ces entreprises, j'imagine. On dirait qu'il tenait absolument à toucher à tout.
l'orbe des Zéniths. On peut plus faire demi-tour. Ce truc va encore nous tirer dessus si on essaie de voler. Une fois, ça m'a suffi. Merci bien. Et elle monte. J'ai faim. J'hésite à aller voler des rations en plus. Oublie. Tout est soufflé. Feder est le seul à l'avoir. Je connais Feder. Une vraie ordure, même avant l'arrivée de Landra. Mais sa clé nous serait bien utile. Cette grande créature, je crois que c'est un dinosaure. Un devin m'en a parlé une fois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je me souviens avoir vu Evelyne sur cette scène, resplendissante, malgré le sang et les cendres de ce scénario ridicule. Mais à chaque fois qu'elle me lançait un regard en coin, je souriais. Je pensais qu'elle n'avait Dieu que pour moi. N'était pas réel. Ouais, j'avais tort. Les anciens avaient installé des hologrammes pour divertir le public. Mais l'endroit en lui-même était aussi une expérience de divertissement. C'est étrangement compliqué. Ça en fait des symboles. Celui-là ressemble à un volcan. Ouais. On dirait que c'est au nord-est d'ici. Je vais essayer autre chose. Des spectres. Je peux les affronter ou me faufiler dans l'herbe. J'ai déjà vu ces machines. Mon focus me les a montrées. Encore.
encore plus étrange en vrai. J'espère que lui aussi, il était gentil. Si Walter a besoin de quelque chose dans l'armurerie, c'est moi qui m'en occupe, d'accord ? D'accord. C'est bien parce que c'est toi. On dirait que Londra garde quelque chose dans l'armurerie. C'est peut-être ce bâtiment-là. Sur ce truc dans les terres sauvages. Au moins, ça tirait pas des roquettes. Ils ont voulu faire comme si ces soldats tentaient un baroud d'honneur contre les dinosaures. C'est ridicule. Et presque génial. Bon, on a trouvé l'armurerie. Voyons si on peut aller plus loin. Il y a une serrure sur la porte. Et une note. Eh ben, voilà le volcan. Ils appelaient ça du divertissement ? D'après ce que j'ai lu, plus c'était étrange, plus ils aimaient ça.
Comment ouvrir la porte? Mais il doit y avoir un moyen. Les gardes ont parlé d'un endroit qu'ils appellent l'armurerie. On dirait que cette porte doit être ouverte à distance. Depuis l'armurerie. Dans ce cas, on doit trouver comment y entrer. Je dois vraiment faire un rapport à l'autre très simple. Tu veux dire Claude? Ouais. Il est à l'ouest du parc. Ça me détend après s'y faire derrière nous. Tu penses à la même chose que moi? Notation. Celui-là pouvait parler. Des lézards qui parlent. Pourquoi pas? Pourquoi on voudrait voir des arbres en hologramme plutôt qu'en vrai? C'est un spectacle, je crois. Les dinosaures. Où ils aimaient s'imaginer les combats. L'ouest du parc. Feder devrait être quelque part dans le coin. Beaucoup de dinosaures ici. C'était sûrement une sorte d'attraction. Je tuerais pour Walter. C'était une attraction de se faire attaquer par les dinosaures. Ressemble à un galogriffe. Il voyage aussi en troupeau. Voyons ce qu'il y a là-dedans. D'accord, je te suis. Raptor, un champ de tir holographique pour les fans acharnés de Pange. J'espère que les nouveaux fidèles Quen tireront aussi aveuglément et passionnément pour moi que les consommateurs du 21e siècle. Ça devrait faire plaisir aux marchands. Je suis tellement nerveuse que j'ai du mal à retenir mon texte. Fais seulement ce qu'a dit Walter. Vide ton esprit. Il faut tout oublier. Oublier tes ancêtres, ton passé, et même ta famille.
Pense à lui. À la signification de ce moment. Allez, je t'écoute. Comment ai-je pu ne pas rentrer quand je suis avec toi? Oh, j'ai encore échoué. Du calme. Imagine qu'il est à nos côtés, comme la première fois qu'on l'a vu sur la plage. Ressens la lumière de sa présence. Laisse-la t'envahir. Ensuite, dis-le. Comment ai-je pu ne pas rentrer? Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Oh, il va te choisir, toi, j'en suis persuadée. On a tous été choisis, Pyrrha. Tu auras une place dans son nouveau monde, quoi qu'il puisse se passer. Pyrrha, Kina, il est temps. Feder, il va bientôt falloir évacuer. Compris. Deuxième escouade, vous êtes l'escorte. Pour les autres, restez avec moi jusqu'à ce que Walter nous ordonne de partir. Kina. N'oublie pas, Feder a la clé de l'armurerie. Et c'est par là qu'on accédera au volcan. Et à Londra. Allez, achevons-le. On peut peut-être les avoir discrètement. Je suis. Je suis curieuse de voir ta méthode. Bon, je vais chercher. Ta dernière infiltration. Je crois que j'ai vu Feder tomber ici. Bon, avec un peu de chance, cette clé nous permettra d'accéder à l'armurerie pour ouvrir le volcan et trouver l'ombre. Il a vraiment lavé le cerveau de ma sœur. Comment peut-elle être si aveugle ?
les ancêtres. C'est un vrai labyrinthe. Pourquoi pas? Garde. Pourquoi Pyrrha est si bien placé? Qu'est-ce que Walter lui trouve? Aucune idée. Parie plutôt sur Tina. Tu l'as vu entrer dans le volcan? Même pas peur. On doit rentrer. Cette porte. Bon, quelque part là-dedans, il y a un moyen d'ouvrir la porte du volcan. Alors, je te suis. Qu'est-ce que c'est ? De la technologie des Zéniths. C'est un dispositif de stockage. Il sert à quoi? Je devrais voir ce que capte mon focus. Fais-toi plaisir. Une sorte de liquide. Ouf! Très odorant. Je le sens d'ici. On dirait un alcool. Mais trop fort pour être consommé. Un conservateur, peut-être ? La note semble indiquer que des cheveux ont été prélevés sur les Quen. Et des bouts d'ongles. Ah ! Burke ! Des éprouvettes. Pour une expérience? Ou pour prélever des échantillons? Qu'est-ce que t'as trouvé? Je crois que Londra collecte et préserve de l'ADN Quen dans ce dispositif. De l'ADN? Vois ça comme un moyen de stocker l'essence physique d'une personne. Je t'enverrai des données. Bon, d'accord. Alors, continuons. Cette console pourrait m'être utile. Il y a un réseau ici, mais il est verrouillé. En mettant sous tension, je pourrais le réinitialiser et y accéder. Oh, un court-circuit. Il va falloir une nouvelle batterie.
dirait... des cellules. Pour certains des coins. L'armurerie était une infirmerie pour les morveux qui avaient perdu leur maman dans le parc. Il est donc logique que je m'en serve pour ma propre progéniture. Pour piquer les Quen avec des aiguilles et leur administrer de force leurs médicaments.